Bonjour, ce dimanche sera le septième dimanche de Pâques, le dernier. Nous approchons de la fin du temps pascal, toutes ces semaines pendant lesquelles, de dimanche en dimanche, nous étions toujours dans la joie de la résurrection de Jésus. Alors si tu te rappelles, depuis quelques semaines, les passages d'évangile que nous entendons nous transmettent l'enseignement de Jésus sur la mort. Il y a 4 semaines, Jésus ressuscité demandait à Pierre s'il l'aimait, mais d'un amour sans limite, d'un amour inconditionnel, divin. Il y a 3 semaines, Jésus prenait l'image du berger qui connaît ses brebis, chacune individuellement, pour nous faire comprendre l'amour de Dieu. Il y a 15 jours, nous avons commencé à entendre des passages du discours de Jésus à ses disciples, dans l'évangile de Jean. Un long discours, en quelque sorte un testament, juste avant sa mort. Jésus donne à ses disciples, nous donne, à nous, un commandement qui résume tous les commandements de la loi de Moïse. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et enfin, la semaine dernière, Jésus disait que celui qui l'aime, lui, Jésus, garde sa parole dans son cœur. Pas pour la garder pour lui, mais garde sa parole pour la mettre en pratique. Alors ce dimanche, eh bien nous allons entendre la fin du discours. Juste après le passage que nous allons lire, Jésus est arrêté. Nous allons donc entendre les dernières paroles que Jésus dit à ses disciples, les dernières paroles que nous allons entendre. Écoute. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi: Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Oula! Pas si simple à entendre, non? Alors, reprenons un petit peu plus. Alors déjà, nous ne sommes plus dans des paroles qui sont adressées directement aux disciples. Maintenant, nous sommes dans une prière. Jésus prie son Père. Ce sera sa dernière prière avant sa mort sur la croix. Et cette prière ne concerne pas seulement les 12 disciples qui sont présents autour de Jésus pendant ce dernier repas, mais ça concerne tous les disciples de tous les temps, le disciple de tous les lieux, de toutes les époques. Ça te concerne toi, ça te concerne moi, nous aussi. Alors dans cette prière, un mot se répète. 5 fois, dans ces quelques lignes, nous entendons un. Il est donc question d'unité dans la prière de Jésus. Mais de quelle unité parle Jésus? Qu'on ait tous les mêmes goûts? Qu'on soit tous habillés pareil? Mais ça, c'est un semblant d'unité. C'est une unité extérieure qui n'empêche pas que dans notre cœur, on se déteste les uns les autres. Non, Jésus parle d'une unité intérieure, celle qui est le cœur même de tout. C'est l'unité entre Dieu le Père et Jésus le Fils. Alors ça, déjà, quand les disciples ont entendu,
Ça a certainement fait réagir, parce que ça, c'est la grande prière juive. C'est ce que l'on lit déjà dans le Premier Testament. Écoute, Israël, le Seigneur est un. Cette unité entre le Père et le Fils, c'est l'amour. Un amour inconditionnel, un amour sans limite, un amour qui a toujours été là avant la fondation du monde, qui est toujours là, qui sera toujours là, un amour sans fin. Et cet amour, nous y avons nous aussi notre place. L'unité entre le Père et le Fils nous accueille pour vivre notre unité de disciples. Quand tu recherches l'unité dans la paroisse, dans ton groupe de caté, en famille, eh bien en fait, tu viens, on pourrait dire, habiter, et nous venons habiter tous ensemble dans l'amour de Dieu. Et alors là, à ce moment-là, je peux aller aimer l'autre en vérité, même s'il ne vit pas comme moi, même s'il ne pense pas comme moi. Alors c'est dur ? Bah oui, on n'est que des hommes. Mais Jésus nous a promis une aide merveilleuse. Vivre lui-même en chacun d'entre nous, cette unité. Et ça, c'est l'unité par l'Esprit-Saint. Nous en reparlerons dimanche prochain pour cette belle fête de la Pentecôte. Jésus, souvent quand je regarde l'autre, je vois ce qui ne va pas chez lui, je le juge, je me crois beaucoup mieux que lui, et je l'oublie au bord de la route. Mais toi, Jésus, tu me dis, aime ton prochain, aime tous ceux qui passent sur ton chemin, soyez un. Jésus, en chacun de mes jours, aide-moi à regarder l'autre avec un cœur rempli d'amour, ton amour. Amen.